L'honorable député de Montcalm. Monsieur le Président, pendant la pause, j'ai rencontré plusieurs concitoyens qui m'ont fait part de leurs préoccupations. J'ai rencontré des gens qui étaient inquiets des changements à l'assurance-emploi et ses effets négatifs sur le secteur agricole. J'ai rencontré des gens qui se préoccupent grandement du sous-emploi et qui ont du mal à joindre les deux bouts. J'ai rencontré des citoyens dont les municipalités n'ont pas les ressources nécessaires pour l'infrastructure qui fait cruellement défaut. J'ai rencontré des organisations représentant les personnes handicapées et les anciens combattants qui observent le gouvernement cesser peu à peu d'offrir l'appui crucial sur lequel ils dépendent. Je tiens à rappeler aux députés d'en face qu'il s'agit aussi de leurs concitoyens. Lorsque ce gouvernement fait du tort aux citoyens et que vous restez passifs, c'est aussi votre responsabilité. En cette nouvelle année, vous vous souviendrez que vous avez été appelé à représenter tous les Canadiens sans exception. Bravo, bravo.